Créer soi-même des objets à base de déchets, c'est le thème de l'atelier du jour de l'association ASCO à Saint-Médard-en-Jalles. Ces décorations de Noël. D'accord. Avec quoi tu fais ça, raconte-moi. Du papier toilette, enfin des rouleaux de papier toilette, des feutres. Alors aujourd'hui, on fabrique des étoiles de Noël, zéro déchet. Donc à partir de deux rouleaux de papier toilette. C'est bien qu'on a déjà des affaires et qu'on peut les recycler. Je trouve génial que tous ces cartons servent à quelque chose. Et en plus, c'est très facile à faire. C'est une période où on consomme énormément. Et où les enfants ne sont pas forcément sensibilisés aux déchets. Et on se dit que, ben voilà, avec du papier toilette, on peut arriver à construire quelque chose sans forcément le mettre à la poubelle. Vous allez pouvoir positionner le petit W, tout à fait, parfait. Voilà, en forme de fleur. Et quand ce sera bien collé, vous obtiendrez une étoile. On a dessiné dessus. Après, on a mis un ruban. J'ai passé un bon moment, c'était bien. Je me suis amusée. Une bonne action quand on sait que chaque habitant de la métropole produit 526 kilos de déchets par an. Premier déchet, le meilleur, c'est celui qui n'est pas produit. Le papier cadeau représente effectivement énormément de déchets, alors qu'on pourrait avoir des astuces très simples, ce qui permettrait de ne pas jeter un emballage à usage unique. Même si c'est quelques grammes, il n'empêche que, mis bout à bout, ces quelques grammes deviennent vite des kilos.